Ce soir, Jeanne attend Maxime chez elle. C'est la première fois. C'est leur première fois. Elle s'est dépêchée de rentrer de son travail pour se préparer à cet instant magique, unique dans la vie d'un couple. Elle s'est fait couler un bain chaud avec des huiles essentielles qui laisseront sur sa peau leurs traces odorantes. Les bulles de savon se transforment en milliers de bouches qui l'appellent. Jeanne pénètre dans le bain, laissant l'eau la caresser, centimètre par centimètre. À côté d'elle, d'autres bulles, celles du champagne. Le contraste du liquide frais dans sa gorge et de l'eau chaude sur son corps la trouble à chaque gorgée. Langoureusement allongée, Jeanne se met à rêver. Qu'ils ont dîné ensemble, Jeanne était fascinée par la bouche de Maxime. Elle aurait été bien incapable de répéter ce qu'il lui disait. Elle ne pensait qu'à une seule chose, que cette bouche charnue se pose sur son corps et la dévore de baisers. Jeanne ressent cette douce morsure. Quel amant Maxime sera-t-il? Doux et attentif, passionné, brutal, égoïste. Par expérience, Jeanne sait qu'on ne le découvre qu'à la première étreinte. Mais déjà, elle le devine sensuel. Peut-être l'entraînera-t-il dans des aventures inconnues d'elle. Peut-être voudra-t-il qu'elle mène le jeu et dans ce cas, sera-t-elle à la hauteur de ses désirs. Un regret. Jeanne sort du bain et s'enroule dans une serviette moelleuse. Puis elle revêt une parure de lingerie fine achetée pour l'occasion. Oui, Jeanne achète de nouveaux sous-vêtements à chaque nouvel amant. Elle enfile délicatement une paire de bas de soie et passe une petite robe fleurie. Ainsi parée, elle se resserre une coupe de champagne, se love dans son canapé et se remet à rêver. La première fois qu'elle a vu Maxime, le regard profond du jeune homme l'a fait chavirer. Il lui a souri, s'est approché de sa table et sa voix grave et sensuelle a augmenté son trouble. C'était il y a 3 semaines. D'un commun accord, Jeanne et Maxime ont décidé d'attendre afin de laisser monter leur désir. Le carillon la tire de sa rêverie. C'est lui, déjà. Jeanne se lève lentement
et va ouvrir. Quant à nous, nous resterons derrière la porte, car ce moment n'appartient qu'à eux seuls.